Bonjour, aujourd'hui donc on va voir notre astuce Excel, c'est par exemple le résultat date, c'est pluviométrie, c'est par exemple 15-01-1998, c'est 10-11-2010 et c'est 14-11-2014, c'est par exemple 20, c'est 45 et c'est 60. Un exemple ici donc, je construis donc ma courbe. Voilà donc qu'est-ce que Excel a donné. Donc vous voyez ici un petit problème de lecture lorsqu'ici les dates sont éloignées. Donc pour remédier à ce problème, je sélectionne l'axe ici. Je clique lorsqu'après avoir sélectionné, je clique par droite, je informe de l'axe. Et ici, je mets texte. Voilà donc. Donc, même si les dates ici sont très loin, par exemple ici, 1950, voilà qu'est-ce qu'ils donnent. Alors que lorsqu'ils sont des dates, ici, voilà donc qu'est-ce qu'ils donnent. Il y a une difficulté pour lire. Et surtout ici, que l'échelle, elle est sous forme d'années. OK? Mais si vous voyez par exemple ici, même si je fais par exemple ici 2008, parce que je mets ici l'échelle sous forme de mois par exemple, voilà donc c'est difficile à lire. Mais lorsque je mets ceci sous forme de texte, je peux remédier à ce problème là. Même si je fais par exemple ici 2000, voilà, donc ici il y a 2008 et 2000. Et après 2014, lorsqu'il y a ce forme de date, voilà donc, même si l'échelle ici se forme des années, il commence par 2000, même si elle est ici en deuxième lieu, après 2008 et 2014. Ok? Et c'est seulement pour simplifier par exemple, notre rapport, etc. Ok? À la prochaine.